Bon, c'est le jour J, début des Winamax Series, un jour tant attendu. Pour cette première journée, je vais vous inviter à me suivre derrière mon épaule pendant les premières 24 heures. Donc là, il est midi et je viens de me réveiller. C'est important de noter que je décale mes cycles de sommeil pour les festivals online. C'est simplement dû au fait que par rapport au live, les journées vont se finir 4 heures plus tard. Donc, si une journée de live va se finir vers minuit, une journée de live va se finir vers en moyenne 2 heures, mais parfois 4 heures du matin, donc il faut être prêt pour ça et décaler ses cycles de sommeil en conséquence. Le programme de la journée, c'est facile. Midi, petit-déj. Simple, efficace. On est là pour gagner les Winamax Series, pas pour gagner Top Chef. Ça, c'est sûr. Qui c'est qui va se régaler? C'est nous. 14 heures training. Donc ça va faire de 14h à 15h30. Ensuite, je vais me reposer un petit peu et attaquer à 18h en light reg les premiers tournois. Voilà, si jamais j'avais voulu commencer à 16h, je me serais tout simplement levé un petit peu plus tôt. Ça risque d'être passionnant. J'ai pris un coach sportif qui est le coach de Sylvain Loosely. Et ça promet, j'espère, de m'apporter encore un petit plus. De toute façon, je teste pour vous et je vous dirai en fin de série si ça m'a apporté quelque chose. Salut Pierre, ça va Edouard? Comment ça va? Bah ouais, super. T'es prêt? Bah moi je suis prêt, c'est sur toi, c'est bon. Ouais, je suis un peu prêt, j'ai un petit peu peur. Mais... Bah déjà on va se réchauffer, ça ira mieux après, c'est bon. Allez. J'essaie de voir vraiment les détails du. Ouais. Tu vois, les pits sont vides et là les empreintes de. Ouais. Et aussi, en regardant la statue, maintenant tu peux te concentrer sur le fait qu'il y ait deux doigts, justement. Et qu'est-ce qui se passe finalement au premier plan? J'arrive à revoir le doigt et la statue nette. Mais le doigt est pas net, mais la statue j'arrive à la voir nette. Voilà, c'est bon, j'arrive à voir les deux. T'es expert sur la descente et t'es expert sur la montée. 5. Va plus lentement. Voilà. Tu peux verrouiller bien. 13. Pour aller légèrement devant toi. Voilà. Ça va t'aider à descendre plus. Myself, they call me J-O, N to the easy E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speechless, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is our credit, he the heir apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast, time that we welcome to go. Yo, we're just leaving, I think about time that somebody go get them their coat. You know I got all that anthem, come back in, what you call that add-on? Got anthems and bands with masters, getting them breaks like my name was Miranda. I'm bigger dead than alive, I'm bigger dead than alive. One more time, this is forever, remember the legend, he never will die. I'm bigger dead than alive, dead than alive. Salut tout le monde, Edouard Bernadou, préparateur physique, entraîneur personnel, privé. Coach box également, voilà. Là aujourd'hui on a fait une séance avec Pierre assez complète, c'était une première prise de contact, on va dire réelle, présentielle, qui nous a permis de travailler la coordination, le cardio, le renforcement musculaire pour qu'il se sente plus à l'aise sur ses parties, qu'il soit un petit peu plus endurant, qu'il se sente bien en forme et voilà, qu'on puisse avoir un corps, on va dire, étiré, souple, qui permettent un maximum de décontraction pour avoir l'esprit libre, pour pouvoir travailler tranquillement dans les bonnes conditions pour ces sessions. Franchement, c'était super intéressant. C'est vraiment agréable d'être en fait porté de A à Z. Il y a le coach qui nous dit le programme, nous dit les temps de récup, nous dit la planification aussi sur les 10 jours. Donc en fait moi j'ai rien à faire et c'est vrai que c'est quand même ce point en moi là que moi j'ai juste à lui dire mes objectifs, c'est-à-dire
être le plus frais possible, le plus opérationnel possible pendant ces 10 jours. Et voilà, en plus Edouard, c'est vraiment un mec top que j'apprécie beaucoup, qui connaît le poker. Donc vraiment une première séance tout bénef. Je vais voir ce soir ce que ça va donner sur mon niveau de concentration. Allez, training fini, quasiment 2 heures de temps. Il faisait 400 degrés, du coup après forcément j'ai un plus gros repas. On est à 1h30 du commencement des premiers tournois, du coup pâte complète, courgettes feta, des noix, un peu de poulet, un café. Comment tu te sens avant la session de ce soir? Bah, un peu stressé forcément quand même. C'est encore un gros projet avec 6 sessions streamées. On va jouer très cher, l'envie de bien faire, l'envie aussi que les efforts qui ont été fournis et que les changements qui ont été faits payent. C'est vrai que ça serait décevant que... Il y a toujours ce côté ultra frustrant. Si on met les moyens nécessaires pour réussir en temps, en énergie, en argent aussi, et que finalement on se retrouve perdant sur la période, c'est un peu difficile à avaler. Donc vraiment l'envie de faire en sorte que ça n'arrive pas. Max, ça c'est la salle de grind que vous avez pu voir, que j'ai occupé pendant le challenge Make Your Bankroll Great Again. Ça a un petit peu changé de disposition forcément puisque ça sera nouveau. Voilà, avec tout ce qu'il faut, bien entendu toujours le gel hydroalcoolique à portée de main, ça c'est pour le son. Et surtout, comme vous allez pouvoir le voir, sous les yeux protecteurs de Mick Doux, Manu B et Gaël Bowman. Trois codes de mes grands amis, donc ouais, c'est toujours plus sympa de grinder comme ça. J'aurai qu'une seule session ici, le reste des sessions vont se faire avec Ponce P en bas dans le studio télé et je vais vous y emmener tout de suite. Allez, entrez dans l'arène, c'est parti, ça va commencer. C'est magnifique. Lolo, le plus beau, t'es prêt? Salut, ouais, très prêt. Allez, on y va. Il y a Ponce P qui t'accueille. Let's go. Allez, on s'installe. C'est parti pour la ruine, la cagoule. T'es prêt? Prêt à en découdre, ça fait longtemps que j'attends ça. Enfin, c'est le jour J. Vous avez le temps, hein, c'est dans 20 minutes, mais on sait que tu joues Pierre. Mais... Bon, chaque flip perdu. Putain! Pense au frère Claude. Chaque flip perdu. Non! Putain. Tu les ramasses toutes, hein? Oh. On va demander au frère Claude de te coacher là. Ouais. Il y a du boulot. J'ai eu la première, j'ai déjà chaté. Ok, on peut y aller. Et ben go. Et bonne émission, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite avant tout une excellente année 2021, elle va commencer très très fort. Je suis accompagné d'un bien beau flibustier, capitaine au long cours, grand amateur de ces festivals, grand spécialiste même, monsieur Calabusa Pierre, comment tu vas Pierrot? Salut tout le monde! Et bien, j'espère que tu as été préparé, que tu as fêté bien sûr à la fin de l'année, heureusement terminée derrière nous. Maintenant, on va se concentrer sur l'avenir, le présent même, avec cette superbe programmation qui nous attend. On a déjà lancé pas mal de petites tables. Et on va partir à tapis contre la brique. Pour 2000 balles. Je vais le forbet, bien entendu, non all-in, puisque il va pouvoir faire tapis avec des mains comme paire de 10, paire 9, même des mains comme... peut-être des As X suité, puisqu'il peut prendre mon bounty et qu'il me couvre. Ça va forcément l'inciter à faire le zouave. Deuxième fois qu'il 3-bet déjà notre brique. Ouais, je m'attends à ce qu'il fold aussi pas mal. Hein. Allez, 23 blindes envoyées contre Louis Linard, le candidat de la Top Shark Academy, toujours en course pour la grande finale qui débutera la semaine prochaine.
Il a payé. Ouh là là, flop 2, 4, valet rainbow. Attention. Il peut effectivement avoir deux as ici. Il a le droit d'avoir deux as, notre brick. Néanmoins, il peut avoir as valet également. Je vais checker. Roi valet suité, c'est possible aussi dans son range ici. Ouais, de toute façon, c'est un shove standard au turn. Je peux roi dame, as roi, etc. S'il a deux as, tant pis, on rebaillera. Ah, il a deux as. Et il a deux as, c'est un juste. Oh là là, et on perd aussi en bas à droite, c'est juste un setup classique. Et nous allons tout simplement nous réinscrire. Et on part en break. Allez, rendez-vous dans 5 minutes 30 pour la suite de Stop of the Pock. Vous restez avec nous, vous êtes extrêmement nombreux ce soir. Combien ? 5 000 personnes avant 2 heures. C'est même un truc de fou de dire quand t'as 600 personnes sur Facebook. Waouh ! Parfait, allez. C'est la bulle et ça y est, c'est la fin. 22 left, on est qualifié pour le day 2 de ce 4 million event. Une très très bonne chose de fait pour la suite de ce festival. Et ça tombe bien car vous allez le vivre aux côtés de Pierrot. On compte sur vous pour être présent. Merci Pierrot d'avoir été avec nous. Écoute, on oublie, on fera le bilan dès demain du mental de ce que tu tires de cette session très particulière, une session record sous plein de points de voilà, il y a plein d'angles sous lesquels on peut voir que c'est un record en termes notamment d'audience, en termes de participation au tournoi privé, en termes de likes sur la vidéo YouTube, mais aussi et surtout en termes de buy-in, malheureusement pour toi, avec 8000 euros envolés, évaporés sur un seul tournoi, le Super High Roller KO. Ce n'est que le début des Winamax Series, le plus beau reste encore à venir, notamment avec ce 4 million event qui promet de très très belles choses pour le Day 2. On a plein d'autres events d'ici là pour se faire la main et se rattraper. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao tout le monde! Alors, tes impressions à chaud? Des pires scénarios possibles, forcément, puisque je suis mis down quasiment 9000 euros pour la première journée. Il va falloir forcément que je reprenne à froid un petit peu cette session, que j'analyse certainement que j'ai joué. J'ai notamment eu deux mains, une avec deux dames contre deux as, une avec as-roi contre deux paires, qui m'ont fait sauter du 2000 euros deux fois. Il va falloir que je check si j'ai bien joué la main ou si j'ai fait des erreurs pour ne plus les refaire. Et après, je pense sincèrement qu'une des leçons que j'ai apprises, c'est avec le temps, c'est que c'est dans les moments, dans les périodes plus difficiles et dans les périodes face à l'adversité que finalement les gens se révèlent. Et j'espère répondre avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'intensité et avec beaucoup d'entrain. J'ai encore 5-6 sessions à faire. Ça promet d'être intéressant. Voilà, demain, il y aura une remise en question et beaucoup de travail technique et physique à faire. Donc voilà, je vais simplement essayer de garder le cap et de revenir encore plus fort. Surtout, il y a une note qui est positive, c'est que je suis qualifié pour le Day 2. Du 4 million event, c'est le plus gros tournoi qui a été jamais organisé. C'est une note positive à laquelle il va falloir s'appuyer. Ça sera une session qui sera streamée forcément. Et je compte bien arriver en pleine possession de mes moyens, ultra fort techniquement, ultra fort physiquement, et aller le plus loin possible dans ce tournoi qui peut tout sauver finalement. C'est plutôt dans la fourchette basse des buy-in, même si on voit que les... Tu fais quoi ? Bon, là, c'est la dernière étape de la journée. C'est simplement que je dois review certaines mains et que pour ça, je dois me souvenir de leur déroulé précis. Et pour ça, en fait, il faut que je regarde des parties de session que j'ai jouées pour pouvoir les retrouver. Donc là, par exemple, je vais review le spot que j'ai joué avec sur le Super High Roller. 72 blind deep avec As-Roi contre 6 et 7, c'est la main où j'ai perdu. Je vais aussi review le spot avec 2 dames contre la brique. Il faut que je note tout ça. Et je suis obligé de le faire maintenant, même si c'est très tard, parce que je sais à quel moment c'est arrivé, alors que si je laisse passer plusieurs jours, d'une part j'aurai pas la réponse à mes questions rapidement, et d'autre part je saurai plus dans la session où est-ce que c'est, je devrais la re-regarder en entier. Donc voilà, ça sera la dernière étape avec les restes de mon déjeuner. Et après, ce sera au lit. Et demain, on repart au charbon. Bon, 4h30 du matin, c'est la fin d'une longue journée. Je suis crevé. Mais je suis plutôt content parce que
Bah, je sens que j'avais plein d'énergie pendant toute la session et que bah, là, c'est juste de la bonne fatigue et que je suis fatigué comme après une grosse journée de travail. J'ai bien fait les choses. Demain, je vais review les spots sur lesquels j'ai pu faire des erreurs. Et puis, ça sera de retour au charbon à 21h avec ton spé sur Winamax TV, sur YouTube, sur tous les supports. Et voilà, on va essayer de remonter tout ça et de repartir avec la même envie et encore plus fort.